Ils m'ont extorqué de l'argent, car la morgue de nouvelles vidéos vont sortir. 2 ans après les premières révélations, le scandale de la sorcellerie, qui avait coûté cher à Carla Moreau, refait surface. En effet, ce mercredi 12 avril au soir, Nabil El Moudni a voulu prouver que la candidate de télé-réalité avait menti lorsqu'elle s'était défendue sur le plateau de TPMP. Carla avait assuré devant Cyril Hanouna et ses chroniqueurs qu'elle n'avait jamais utilisé la magie noire sur ses camarades et sur son conjoint. Alors, le blogueur a diffusé une vidéo de Carla Moreau en train de jeter un sort sur une représentation du pénis de Kevin, aux côtés de sa médium Danae. Depuis, la toile est en ébullition. Pour certains, Kevin Gage, en colère contre Carla depuis son interview, aurait permis au blogueur de diffuser cette vidéo à charge pour se venger. En recevant des milliers de messages, Kevin Gage a fini par réagir à la nouvelle vidéo de la sorcellerie. Le papa de Ruby assure qu'il n'y est pour rien. De son côté, Nabil promet qu'il existe des vidéos bien pires que celle-ci qui prouveraient que Carla a bien fait des travaux de sorcellerie sur les enfants de ses collègues de télé-réalité. Des vidéos qui pourraient bien voir le jour prochainement. Lassée d'être embêtée avec cette histoire, Carla a également pris la parole hier soir. Dans un message posté en story, elle assure que cette fois, elle ne se taira pas et elle ne désertera pas les réseaux, ce qui est derrière cette histoire va beaucoup plus loin que des vidéos de bougies. Ce dossier est une histoire de chantage et de menaces, que j'ai subi pendant trop longtemps. Je n'ai plus peur. Finalement, Carla a décidé de s'exprimer en vidéo quelques minutes après ce message, « Je dis tout, je ne dis rien. Je vais vous parler concernant ce qui a été dit. Sachez que je ne vais pas me cacher. J'ai trop subi au quotidien avec cette histoire. Pendant 8 années de ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. » Il me dit lui-même que j'ai décidé d'arrêter et c'est la vérité. Plus personne ne va me tenir avec ces vidéos. Si ça leur fait des vues. Qu'il continue. Je ne serai plus tenu par qui que ce soit mon ex-compagnon ou une personne malveillante. Ce qui doit sortir sortira. Aujourd'hui, je ne veux plus payer les erreurs de mon passé. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, je suis allé voir cette voyante. Oui, je suis tombé dans un traquenard. Vous êtes à 1% de connaître cette histoire. C'est du réchauffé. Les choses sont bien plus graves. Point. La honte, c'est à eux de la porter, car ils m'ont extorqué de l'argent. Ce sont eux qui m'ont volé. Qui m'ont fait des menaces et du chantage. Ils ne me tiendront plus avec ces vidéos. Car je n'ai plus peur qu'elles sortent. Je n'ai plus peur d'être mal vue, car je connais ma valeur. Il n'y a plus rien à gratter chez moi. Je ne suis pas une DRG, je ne suis pas une fille qui donne son CL. Je ne suis pas une voleuse. Je travaille et je m'occupe de mon enfant. Guillaumet.